L'idée, c'était d'inviter plusieurs artistes à créer sur place. Voilà, le centre d'art avait ce projet depuis longtemps et j'ai proposé de créer un échange avec des artistes qui venaient aussi d'autres pays et des artistes landais. Donc il y a 5 artistes qui sont venus pendant 10 jours travailler pour créer des œuvres individuelles, mais pour les présenter dans une même exposition à la fin. Alors le point de croix, c'est une technique qui permet de représenter, de reproduire en fait des images à l'aide de fils, voilà. Donc les points de croix que vous avez ici, ce n'est pas moi qui les ai réalisés, sont aussi des points de croix qui ont été faits par d'autres personnes. Et pour m'y mettre aujourd'hui, je vous dis, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et vous savez qui est... Dans un deuxième temps, c'était aussi de permettre au public montois de rencontrer ces artistes et de les voir en train de travailler, donc de voir une exposition depuis sa conception jusqu'à le produit fini. Au centre d'art, on essaie toujours de créer des rencontres avec les artistes qui viennent exposer. Souvent, on fait des visites destinées aux scolaires où les scolaires peuvent directement poser des questions à l'artiste et voir la personne qui a créé les œuvres d'art. Donc pour la résidence, on trouvait ça aussi intéressant que les scolaires y voient les artistes en train de travailler, c'est-à-dire ils n'ont pas juste le tableau fini et l'artiste, ils voient aussi le travail en cours. Et ils peuvent mieux comprendre ce que c'est d'être un artiste. Voilà. L'objectif d'une résidence, c'est pour permettre en fait, de développer une nouvelle idée, de réfléchir et d'amorcer un travail. Donc peut-être qu'il ne sera pas fini, mais je vais continuer. Et donc l'idée, en fait, c'est ce Jean-Pierre Pernaud, je voudrais l'intégrer en fait, dans l'ordinateur, parce que maintenant, la télévision, vous savez, c'est une télévision numérique et beaucoup de gens du coup regardent leur télévision plus forcément. Alors maintenant, j'aime bien la façon qu'ils travaillent et j'aime bien beaucoup quand ils imaginent et j'aime bien leur style à eux. C'est original, c'était bien, c'est étonnant. Il y en a qui font le son industriel comme là-bas, la peinture qui fait... c'est comme si on était dedans quoi. À ton avis, avec Jean-Pierre hein. Merci. Au revoir. Merci beaucoup pour votre culture et pour les cadeaux. Allez, les gâteaux, les cadeaux. Allez, au revoir. À l'année prochaine. Au revoir.